Ça, c'est un coup qui fait mal. Ah ben, un seul... Bon, ça suffit. Et nous sommes peut-être déjà passés à la deuxième partie, je ne sais pas encore. J'ai... Ah, peut-être... Non, non, je vais séparer en deux, ce sera... C'est toujours plus cool de regarder ça dans des petits épisodes. Donc, bienvenue à la partie 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8 plutôt, parce que... Oui. oui, c'était... Faut y aller des fois, justement, quand même. Alors, faut que je fasse attention à ces critiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 7 ici. Voilà. Voilà, donc il est dans son champ de vision. Toi, je vais te mettre ici. Petite Mulder, tu vas aller... Tu vas aller je sais pas où. Ok, donc... Déjà, Ross, tu vas aller libérer Naomi. Voilà. Et puis, je prépare un healer dans le coin pour guérir Erika. Et puis, Franz, bah, tu termines avec un coup de lance et tu lui bifles la gueule. Et puis voilà. Voilà. C'était l'intermède Franz. Et puis ce sera tout. Voilà, donc il faut espérer qu'il ne critique pas. C'est pas un critique. C'est parfait. Je pouvais pas demander de mieux. Oh putain, il manquait plus que ça. Ça fait chier. Vous, je vous ai déjà rencontré. Vous êtes ici pour me capturer? Vous voulez m'empêcher de parler? Oui, c'est Grado qui paye la note. Ils veulent votre mort, vous savez. Et vous pouvez rester sereine, ce n'est pas sereine personnelle. S'il vous plaît, attendez. Faites ce que vous voulez de moi, mais avant tout, vous devez m'écouter. D'abord de Grado, je n'ai plus la main. Ils ne m'appartiennent pas. Je fais. En plus, c'est con parce que je fais une voix débile, mais c'est tellement important en fait. C'est tellement. Les dialogues sont tellement bien dans Fire Emblem que... Ça parle de notation, les ténèbres renoncent à notre monde. Sans vouloir vous vexer, je ne suis pas responsable mercenaire, je moque bien de Grado et de son emploi. Mais que ce soit vrai ou pas, votre histoire ne fait ni chaud ni froid. Mais... Si c'est tant supprimer une fille aussi jolie que vous, ne serait un terrible gâchis. Dites-moi, vous avez aimé le jeu de hasard? Pardon? Jouer, c'est ma grande passion, je n'arrête jamais, même quand je perds. Vous en êtes paris, si vous gagnez, je vous crois, pile ou face. Non, c'était pas le moment. Vous préférez peut-être que je m'occupe de la mission pour laquelle je m'en payer? Face. Non, pile. Bien, si c'est pas je gagne, si c'est pile, si vous gagnez. C'est parti. Alors? À votre avis? C'est pile, vous avez gagné aujourd'hui, vous avez tout perdu. Mais madame Chance a parlé, je suis de votre côté. Vous êtes sérieux? Tout à fait, je triche parfois, mais je ne défile jamais d'un pari. C'est l'un des principes. Oh, le ciel soleil, merci aux saintes lumières pour ta protection. Je n'ai rien contre le ciel, mais si vous voulez remercier quelqu'un, je suis là. Bon, et bien, restez derrière moi, je vais m'occuper de ces imbéciles. Sachant que j'avais pas réussi à le recruter dans ma première partie, j'étais un petit peu déçu. Bon, alors maintenant on va passer au Ilou qui fait du bien, le petit Ilou. Ilou, Ilou! Donc, toi tu peux aller jusqu'ici, donc on va se mettre là. Le Ilou qui fait du bien, il fait du bien jusqu'au cou. Voilà. Et ça fait du tout, et c'est cool. Bon, ensuite, bah, Franz, toujours de ton côté, tout seul. Voilà. Bon, Franz, ça va devenir lassant, je pense. Ouais, armurerie. J'achète, alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Des lances en acier, c'est cool, ça. On peut pas acheter des pierres en acier? Ah, mais j'ai pas encore la maîtrise pour l'utiliser. Mais on peut en acheter. Voilà. Et puis j'en rachèterai sur la world map. Ah, peut-être acheter un arc en... Ouais. Ranimi, il faudra absolument que je lui achète un arc meilleur que celui qui est là. A bientôt. Donc on va rester là. Et puis je peux pas échanger ton pied. Allez, hop là. J'aurais bien mis mon épée. Ah mais c'est... Si, je l'ai en équipé l'épée. Ah non, c'est de la lance. Raté. Donc ensuite, ben, on va peut-être aller dans la maison, parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants à voir.
La vie à Seraphio est devenue infernale depuis que Grado occupe le territoire des situations de René et de Grado vit ici, mais ses souvenirs souffrent plus. Ils ont insulté des familles entières et ont fait subir les pires atrocités. Je suis prêt à accepter cette épée, c'est une cure acide, elle peut fendre la plus robuste des armures. Utilisez cette arme contre le cruel général Sav. Évidemment, j'ai choisi la meilleure unité pour cure acide. Rapière, un sens qui lui permet de atteindre un filet de dommage considérable aux chevaliers et aux généraux. C'est le cas, l'icône d'armes qui note un plein d'informations sur le combat. D'accord. Dans Awakening, oui, c'est encore Awakening, c'est indiqué par un système de petits logos pour dire quelle force et quelle faiblesse. C'est beaucoup plus pratique, mais c'est de la Game Boy, après il faut pas non plus l'advance exactement, donc il faut pas non plus trop en demander. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu souffres? Là, je vais déjà mettre Erika. Je vais rapprocher 7 parce que voilà, ça va participer aussi. Voilà, Némi, tu peux te faire un petit plaisir au personnel si ça te fait plaisir. Tu pourras rajouter ta pierre et puis. Ross. Non, c'est Garcia. C'est Garcia. L'Internet France. Oups, ça fait mal quand même. Je peux le laisser tout seul pendant un quart d'heure, le mec il va se faire toute la batterie. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ah, je prends mon pied là, c'est magnifique. Bon, alors, Naomi, tu vas commencer les festivités. C'est tout? Oh, je suis déçu là. Voilà. Ensuite, bah, Erika, tu vas le terminer parce que YOLO, hein. C'est tout? C'est tout? C'est tout? Bon, pas de critique, alors... Ouais, allez. YOLO! 80! C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ensuite, qui c'est qui a le besoin le plus d'XP? Niveau 6? Non, pas trop. Niveau 7? Non, pas trop. Niveau 1? Mais t'es un peu de la deuxième classe, donc c'est pas la peine. Je suis à... Ah, niveau 5. Bon, allez. Je peux te faire tellement mal, je peux te faire tellement mal. Allez, un petit critique pour montrer. J'ai jamais vu ces animations, je les trouve tellement cool. C'est n'importe quoi. Allez, donc tu peux sortir de la maison parce que voilà. Et toi, tu peux aller dans cette maison parce que c'est cool. C'est cool les maisons. Quand j'étais jeune, j'étais un grand chevalier, je vous signale. J'ai même affronté dans un duel l'un des généraux les plus célèbres de Grado. Ah, mais je suis vieux maintenant. Je commence à m'inquiéter. Suivez-moi avant d'avoir transmis mes techniques de combat aux jeunes générations. Donc ici, notez tout ce que je suis dans un livre, et ce livre le voici. Vous semblez être un guerrier plein d'avenir. Je serais heureux de vous souvenir accepter ce livre. Un tome secret. Alors le tome secret, ça permet d'augmenter la technique, je sais plus. Voilà, la technique, c'est ça. Il y aura tout un tas d'items qui permettront d'améliorer les stats autres que le level up. Et c'est cool. C'est super cool. J'adore ce type de jeu. Je découvre vraiment ce type de jeu vraiment trop tard et je regrette parce que j'ai tellement de choses. J'ai tellement de choses. Cette saga est géniale, je peux rien dire de plus. Bon, oui, peut-être soigner. Il y a peut-être des gens à soigner aussi dans le lot. Non, non, oui. Voilà. Carrément. Mais ça, on l'a déjà dit, en fait. Et puis l'Internet France, parce que ça fait longtemps. Allez, visiter. J'espère que tout le monde est à Sylva va bien. Encore un peu, je serai sur le territoire impérial. Viens voir, j'ai des potions, des antidotes, et je ne dois penser aux torches, juste au cas où la visibilité serait mauvaise. Bien, je suis fin prête, il ne me reste plus qu'à regagner la capitale. Mais jamais l'armée de Grado n'aura vu, mais même avec moi. Cet objet, qu'est-ce que c'est? Une torche! Waouh! Éclaire une zone spécifique. Ah, c'est cool ça! Ah! Mais c'est même plus que cool! Je connaissais pas du. En fait, je trouvais qu'il y a certaines zones qui sont en brouillard.
qu'on va faire des combats dans le brouillard, et c'est peut-être pour ça en fait, ça va être pour éclairer le brouillard. Et par contre, Franz, il va falloir y aller doucement. Non, je déconne. Il a fait 3 level up, je crois, depuis le début de la... 2, je sais pas, mais il a tellement level up. Oh là là. Bon, alors ensuite, on va... On va faire du soin. Alors là, je vais tenter quelque chose d'assez dangereux. Je vais aller tester la reine. Capitule, appuyez sur le bouton B. Ouais. Voilà. J'adore la musique. Vous avez gagné là, votre récompense 1360 écus. C'est cool. Bah t'as gagné un double heal. Oui, enfin, peut-être qu'on pourra profiter les autres parce qu'ils sont un peu en train de crever aussi. Enfin, attention, le prochain tour c'est Franz. Si c'est Franz, c'est. Oh mon dieu, Franz, mais t'es tellement fou. La moitié de la map tout seul. Oh, mais j'avais oublié ça. Est-ce que j'ai un cavalier qui peut aller assez vite? Ouais, bah pour tous les cavaliers. Donc là je vais aller quand même un peu mollo parce que j'ai plus des masses de vie avec Franz, donc au pire, ce que je peux faire, c'est rien du tout parce que c'est un peu la merde, donc je vais juste rapprocher mes unités et y aller doucement. Non. Fais pas trop d'aggro. T'as quoi comme arme toi? Une lance. Et ton attaque, force 4. C'est quoi cette force de merde? Sérieusement! On va tenter Erika, ouais. Un petit archer pour se terminer au cas où. Colm. Non, Rolls. Ross. Non, Colm, il est pas dans mon groupe. Et puis, ça ira très bien. Voilà, et Erika dans focus. 8 de dégâts quand même. Mon dieu! Et là, c'est l'épée de base, hein. C'est 6% de crit. 6% de chance de crit. En fait, je crois que Erika va devenir over-hypée un peu trop rapidement là. Donc, toi, tu vas là. Non, tu vas pas là. Tu vas de ce côté plutôt. Comme ça, tu seras au prochain tour. Ensuite, bon, on va faire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, je sais pas. Ouais. Wesh bien. Ensuite, tu peux pas y retourner la reine? Ah si j'ai. Bon, t'es pas exagéré non plus. Quoique. Si ça peut me faire truc illimité, ça serait assez cool. Bon, alors déjà, on va commencer par. Aller soigner le pauvre, je pense. Alors déjà, ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est un peu dangereux ce que je fais là. Et là. On va plutôt faire comme ça. Voilà. J'ai pas trop à craindre pour Guillaume. Ah, ça va être le tank ultime. Ça veut dire qu'à part la magie, aucune attaque physique ne pourra le toucher. Quoi. Ça va être du permacraqué du zboob. Il peut bouger. Ah, c'est très chiant s'il peut bouger. Hein. Ça. Yolo, peut-être un peu trop yolo pour moi. Qui c'est qui pourrait le terminer? Donc toi tu vas
Naomi peut terminer. De toute façon, Erika, elle a déjà assez XP, je pense. On va peut-être laisser passer les autres. Voilà. Résistance, mais c'est parfait. Ah, la résistance, on se voit. Franz, mon copain. Si je te healais un coup. Ah, tu peux aller jusqu'où, toi? Oh, bah, c'est parfait. Ah, tu peux même bloquer l'accès, là. Ouais. Ouh, là, attends, t'as juste tout bêtement utilisé une potion, en fait. Ensuite, bah, toi, tu vas bien healer Erika. Erika, tu vas... Non, je vais plutôt mettre un... Donc, il y a vraiment besoin d'XP. Ah, mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ma gueule, tu te fous de ma gueule. Ouais, bon, ça, par contre, là, on a de la ressource. Hein. T'inquiète pas, on a du méga, on a du... Alors, voyons, c'est... Ah ouais, d'accord. Évitez de vous faire tuer. Oh putain, c'est pas bon ça. Abandonne, j'appuie sur B. Bon, dommage. Ouais, c'était un peu trop dangereux là. Ça. Je sais pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire. Là, je vais déjà approcher Erika. J'essaie de faire participer Ross pour le combat final. J'ai oublié 7. J'ai un petit peu oublié 7, oui. Mais c'est pas grave. Bon, comme tout bon boss, il ne bouge pas. Oh, mais tu te fous de moi ? C'est une blague ? Ah non, je m'en fous, je finis pas la mission tant que j'ai pas... De toute façon, j'arriverai pas à tuer tout le monde, donc... Voilà, ça fait du XP, c'est cool. Bon, j'analyse un petit peu ce que je peux lui faire, lui. Un dégât, wouh! France, mon ami. Oh là là. Ah. Pour vrai, avec la lance en fer, tu peux le faire deux fois. Mais... Ah, d'accord, c'est parce qu'elle a des trucs en moins, je sais pas. Faut faire attention quoi. Faut faire super attention. Oh là là, oh là là, oh là là. Je sais pas. Donc on va mettre les tanks devant. Plus une ennemie pourrait terminer, t'es un petit truc qui sert à rien, t'sais. Ross d'abord, priorité à Ross. Et toi, t'es un petit peu en train de décéder du cancer, ça. Voilà. Et il ne bouge pas comme prévu, donc d'abord, on commence par ça. Visite TV. Oh bonjour, vous voulez me voir danser? Je suis désolé, mais la présentation est terminée. Dites-moi, est-ce que l'un de vos objets vous intéresse? Un client très riche m'a fait un cadeau pour avoir assisté à l'un de mes spectacles. Vous pourrez en prendre un et le vendre et l'utiliser pour améliorer vos aptitudes. Je ne peux pas tout les transporter, ce serait beaucoup trop lourd. Je vous en prie, servez-vous. Les richesses sont des choses futiles qui ne permettent pas de faire le bonheur de son prochain. Non. Merci pour votre visite, peut-être que nous verrons un jour. Un pyro-bouclier. Augmente la défense. C'est bien à savoir. C'est pas grave. Ton coffre a été stocké. Et puis tu fais demi-tour, ça fait plaisir. Bon, allez, maintenant, on s'intéresse au vif du sujet.
Déjà, tu peux faire quoi? Attends. Oulalalala, je vais t'éviter ça. Je vais éviter de te mettre là. Tu vas peut-être pas mourir, mais voilà. Si je fais ça. Ouh, c'est très large, c'est très large. C'est très logique. Ça se tente. Mais faut pas se couper derrière, quoi. Parce que je pourrais pas subir deux coups de lui. Faut que je sois sûr de le tuer. Donc alors, toi tu vas faire 10. Toi tu vas faire 6. 5, 6. Toi tu vas faire... Mal. Pas mal. Ouais. Toi tu vas faire rien du tout. Ouais. Ben c'est parti. Alors on va commencer par rentabiliser les dégâts. Ah bah les traîtres, la peine de mort est un châtiment trop doux. Ben la mort, après t'as plus rien. Bouh! Tu sens le boss. Le boss de merde, là, c'est... Bouh! Bon, 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 bon. Donc, c'est terminé par Erika, donc... Non. L'or s'en fout. Ça fait un peu mal, quand même. Tout petit peu, mais... Ensuite... Toi! Allez, fais des dégâts, fais-toi plaisir. Ouais. Ouais, il le tue pas, c'est pas grave. Et Erika, il a... On se permet... Oh, putain, merde. Ouais, bon, ça me tue pas. C'est le petit dégât qui sert à rien, mais... Ça va pas la tuer. Ouf. Encore mieux. Bon allez. Pan. Merci, au revoir. Vive l'empereur Vigard. Oui. C'était moins une. Oui, en effet, merci infiniment. J'ignore comment je vais pouvoir m'acquitter de la dette que j'ai maintenant envers vous. Vous êtes de Grado, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Natacha. J'étais au service du peuple au temple impérial de Grado. Dans ce cas, pourquoi ces soudains pour chasse-t-il? Vous voulez bien nous raconter votre histoire? C'est parti pour l'interface mieux. Scénario chiant. Bien entendu, il y a quelques jours, mon mentor a arrêté sans aucune raison. Il a accusé de trahison. Cette accusation était fausse. Le rappeur a ordonné sa mort alors que c'était un homme si vertueux. Il veut juste le réduire en silence. Le réduire en silence? Le mentor m'a tout raconté alors qu'il agonisait. L'empereur a l'intention de détruire les pierres sacrées. Je vais détruire les pierres sacrées? Comme vous le savez, les pierres sacrées ont jadis servi à bannir les forces maléfiques du monde des mortels. Aujourd'hui encore, chacune de nos nations héberge l'un de ses trésors légendaires. Il y a une pierre dans chacune des 5 nations du continent. Mais la pierre sacrée de René se trouve dans le temple royal. L'empereur cherche à détruire les 5 pierres une par une. Pourquoi fait-il ça? D'après la légende, les pierres sacrées sont les reliques qui aujourd'hui encore repoussent les forces du mal. J'arrive pas à deviner les raisons qui motivent ces actes, mais vous devez savoir que notre empereur était un homme pacifiste. Un jour, il a complètement changé. Avant de mourir, mon mentor a dit que les gardiens des pierres sacrées devaient être prévenus. J'ai essayé de passer la frontière, mais les soldats m'ont repéré. C'est vraiment ce qui s'est passé? Qu'en pensez-vous? Cette con vient de Grado ne mérite pas notre confiance. Pas apparaître le récent événement, surtout pas sans preuve. Mais ce qu'elle dit est vrai, nous ne pouvons pas ignorer la gravité de la situation. La discussion des pierres sacrées ne va empêcher des tragédies. Je suis d'accord, j'aimerais tant connaître les motivations de l'empereur, je devrais que cette histoire m'a donné des frissons dans le dos. Je vous en prie, je prie pour qu'elle soit fausse. Moi, je vous prie. Finis-vous, ma précieuse Erika. Tout à fait. Oh, grâce au ciel, vous êtes vivante. Que soulagement. Je vous remercie d'avoir chassé le capitaine Sartre. Le Sartre traînait les citoyens de René avec tant de mépris et de brutalité. Pas ici, pas dans cette ville. Mon frère et moi avons passé des moments si agréables ici avec lui. Pardonnez moi, mais d'autres troupes de Grado risquent de débarquer d'un instant à l'autre. Vous devez vous dépêcher de partir. Je suis désolé, il n'y a rien que je puisse faire pour vous maintenant.
Mais en fait, pas d'América, elle en tenir bon jusqu'au jour de la libération. Bientôt, nous en révélerons tous, vous et le prince Ephraim et le royaume de René. Il faut attendre ce jour de gloire en gardant espoir et dignité. Voilà 5X. Oh! Eh bien, vous voyez ça? C'est la mission avec Ephraim! Mais évidemment, on va pas la faire tout de suite. Non, j'ai dit non. Non. On va faire la mission avec Ephraim la prochaine fois, évidemment. Je vais pas non plus abuser. Hein. C'était la partie 8. Voilà, c'était cool. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Ça va être mis d'uploader n'importe comment, à n'importe quelle heure, je sais pas quand. Mais ça sera là. Merci bien. La semaine prochaine, normalement, sauf problème, du Paper Mario. Uniquement du Paper Mario, ce sera les vacances. Mais c'est pas grave, j'ai un autre projet en cours. Projet qui va me prendre pas mal de temps pendant les vacances. Je vous en reparlerai peut-être un peu mieux. Je ferai peut-être un petit teaser sur ma chaîne parce que c'est trop cool. Merci bien d'avoir regardé la prochaine. Ciao, ciao!